Et voilà, bah là c'est quand la fabrique livre. Voilà, donc vous voyez, là on a un choix rempli de peignoirs et il y a ma petite commande dedans. Je suis pressé de les voir. Ils sont super pour faire de la personnalisation. Comme ça, vous prenez une belle boîte avec, vous mettez le nom derrière. Vous pouvez rajouter des petits chaussons, le masque pour les yeux. Regardez, il y a plein de coloris. Voilà, donc nous là on a fait une grosse commande, mais de blanc. Le blanc, bah, c'est top pour la personnalisation. Mais il y a plein d'autres coloris qui sont disponibles. Assalamu alaikum, Godaydan, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Chopper à Istanbul. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un peu les coulisses et puis les différents produits qu'il y a chez mon grossiste pour les peignoirs de bain. Je les montre assez régulièrement en story et puis les stories sur Instagram, ça ne dure que 24 heures. Alors après 24 heures, plus de vidéos. Donc là, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour la mettre sur YouTube. Comme ça, vous verrez un petit peu plus les modèles. Je vais peut-être en essayer un ou deux pour vous montrer comment ça rend sur moi. Et voilà. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me motivera, ça me boostera pour en faire plus, Inch'Allah. Si vous mettez un petit like, ça fera aussi super plaisir. Et puis, abonnez-vous. Parti. On verra mieux comme cela. Voilà, alors regardez-moi toutes les coloris qu'il y a de disponibles. Donc c'est vraiment assez rapide si jamais les coloris ou les tailles ne sont pas disponibles parce qu'ils travaillent directement avec la fabrique. Vous voyez là par exemple ma grosse commande de peignoir, ça a mis je crois 3 jours approximativement pour que ça arrive. Donc les coloris elles sont top, franchement moi j'aime beaucoup, il y a vraiment un petit peu de tout. C'est vraiment sympa. Là, c'est pas des standards, c'est ça aussi qui est bien. C'est qu'on peut choisir la taille, et ça jusqu'à de la très grande taille. Je ferai une petite vidéo tout à l'heure, j'en mettrai un pour vous montrer à quoi ça ressemble sur moi. Mais surtout, celui que je souhaitais vous montrer. Donc là, il y a les Nourpack. Pour les personnes qui ne connaissent rien du tout pour les peignoirs de bain, les Nourpack, c'est un peu la Ferrari du peignoir. Bon, j'en rajoute un petit peu, mais c'est des peignoirs qui sont de superbe qualité. Et à ma connaissance, il n'y a que Özile qui fait des peignoirs aussi bien. Voilà, pour tout ce que j'ai vu ici actuellement sur Istanbul. Hein. En tout cas, c'est des peignoirs qui sont vraiment de superbe qualité. Ils proposent des gammes différentes avec un grammage quand même qui est différent. Et donc là, vous pouvez faire des duos de peignoirs. Vous mettez une petite coloris pour la mariée et une autre coloris pour le marié. Alors moi, je vous montre le noir parce que le noir, c'est celui que je trouve le plus joli. Hop, on ouvre la petite boîte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Donc il y a une petite serviette avec des motifs. Donc cela c'est vraiment la qualité qui est superbe. On demandera par la suite le grammage. Donc vous voyez, vous avez la petite serviette, le magnifique peignoir. Voilà, un peignoir avec deux poches. Une plus grande serviette et vous avez même avec le petit gant toilette. Donc pour gagner en place, moi ce que je fais c'est que je demande toujours à mes clients si c'est possible d'enlever les cartons. Comme ça on en met beaucoup plus dans un colis. C'est beaucoup plus avantageux après pour vous. Voilà, donc là on a le rose, mais il y a aussi plein d'autres coloris. On a du bleu, on a du blanc, le magnifique beige. Voilà, il y a encore plein d'autres coloris. Je les mettrai sur le catalogue, Inch'Allah. Voilà, j'ai essayé le noir qui me plaisait tant. Faut pas que je le garde trop longtemps, je vais m'y habituer, je vais vouloir repartir avec. Alors regardez, il est vraiment super joli. Il descend jusqu'au genou, un tout petit peu en dessous des genoux pour moi. Il est vraiment bien taillé, c'est vraiment super agréable. On est vraiment bien dedans. Donc là, il y a les peignoirs N-Soft. Donc ça, ils sont beaucoup plus accessibles en termes de prix. Et ils sont beaucoup plus fins par contre que les Nourpack. Même si les Nourpack, il y a plusieurs qualités différentes. Il y en a qui sont un petit peu plus fins. Alors, il y a aussi un très large choix de serviettes ici. On a vraiment pour tous les goûts et toutes les coloris. Regardez-moi ça, ce magnifique arc-en-ciel. Donc ils ont des serviettes qui sont en 100% coton, il y a du bambou, il y en a avec des motifs, sans motifs. Vraiment, ils proposent vraiment un très large choix. Regardez aussi ça, super joli avec des petits motifs dorés. On a aussi les serviettes Nourpack, comme il y a à l'intérieur des 7 que je vous ai montrées. Alors maintenant, on va aller à l'étage. Et oui, parce que là, il y a vraiment plein de pépites. De l'extérieur, ça paraît pas aussi grand. Donc bon, c'est pas mal de stock hein, qu'ils ont ici. Alors, c'est pas cet étage-là que je veux aller. C'est celui-ci pour vous montrer les autres coffrets. Et vous voyez, on fait un peu du sport, hein, à force de prendre à chaque fois les escaliers. Donc, je vous montre les autres. Donc bon... Ça aussi, c'est de la qualité qui est quand même top, toujours. Hein. C'est ça le gros avantage de la Turquie pour tout ce qui est peignoir.
c'est que c'est toujours quelque chose de qualité. Alors ça, c'est les peignoirs en bambou. Donc le bambou, il a de nombreux avantages. Par exemple, ça éponge beaucoup plus. C'est l'un des nombreux avantages qu'il y a du bambou. Après, je ne connais pas tous les autres, mais j'avais vu la liste et c'était quand même vraiment assez impressionnant. Donc le bambou, je crois aussi que c'est beaucoup plus écologique. Parce que le bambou a besoin de beaucoup moins d'eau que le coton. Mais ça reste à confirmer. Donc là, on a pareil, là, on a un autre set Nurpak, où dedans, il y a même les petits savons à l'intérieur. Bon, moi, je suis un peu moins. J'aime un peu moins quand ils sont un petit peu plus. Avec un peu plus de motifs. Voilà, il y a vraiment un peu de tout ici. Donc là, c'est pareil pour le bambou, il y a plein de coloris disponibles. Et là, c'est satiné, les motifs, ils sont satinés. Ils sont aussi très jolis. Je vous montre celui-ci aussi qui est vraiment super sympa. Donc il m'a dit il y a 20 coloris disponibles. Bah, je lui poserai la question pour avoir le catalogue. Si vous souhaitez le catalogue, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Comme ça, si jamais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, et bah, naturellement, je ferai un catalogue un petit peu plus détaillé que ce que j'ai fait pour le moment. Pour le moment, j'ai mis pas mal de modèles disponibles sur mon What's Up My Business. Mais si vous en souhaitez plus, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, et bah, je ferai ce que vous demandez, Binilla. Les packs serviettes Nurpak, pareil, magnifique, avec le petit duo de coloris. Le rose avec le gris, ça va super bien ensemble. Et regardez, on nous les demande régulièrement, les serviettes noires. Donc il y a trois tailles disponibles. Donc ça, c'est la plus petite. 4 cm, Rabé ? Elle est Doxan. Elle est Doxan. Donc celle-ci, elle fait 50 par 90 cm. Et après, il y en a une moyenne et une très grande, avec plein de coloris disponibles. Başka renk var, hangi renk ? 100% pamuk. Tamam. Donc c'est 100% coton, hein. Pamuk ça veut dire coton. D'accord, abe, tamam, teşekkürler. Kaç renk var? 1, 2, 3. On les a en blanc, en bleu, gris. En marron, en gris. Bon alors là je suis arrivé au local et je vais l'essayer, mais avant je voulais vous dire deux, trois petites choses. Vous voyez quand on nous vend ici les peignoirs de bain, il y a toujours du carton. Et moi, ce que je fais pour vous en mettre un maximum possible dans vos colis, eh ben, je vous demande avant si c'est possible d'enlever l'emballage. Donc le gros carton qui est à l'intérieur, comme ça nous fait gagner en place. Qui dit gagner en place? Eh ben, dit qu'on pourra en mettre beaucoup plus dans le carton. Et qui dit en mettre beaucoup plus dans le carton? Eh ben, ça va vous faire économiser sur les frais de transport. Donc c'est vraiment super important. Même des fois, j'utilise les sacs aspirants. Alors, est-ce que j'en ai un là pour vous montrer à quoi ça ressemble? Bon, en fait, bah, je les mets dans un gros sac, j'aspire pour compresser au maximum. Comme ça, on essaie d'en mettre le plus possible dans un carton. Donc ça, c'est vraiment un service qui est formidable, parce que si vous passez avec... Voilà, donc là, bah, je vais l'essayer. Je vous montre un petit peu la qualité. Donc c'est super agréable de toucher, hein. C'est doux. C'est vraiment top. Vous voyez, donc il y a les deux poches ici. Bon, bah, c'est parti pour le mettre, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, donc ce peignoir-là, il rentre bien dans les boîtes qui font 35 cm par 35 cm et 10 cm de hauteur. J'ai même pu rajouter la paire de chaussons en velours. Voilà, regardez. Et oui, parce qu'on a aussi la magnifique paire de chaussons. Le cache-yeux en satin. Donc, je l'ai aussi en blanc, hein, pas de panique. Si vous souhaitez d'autres coloris, il n'y a pas de problème. Pour les chaussons, il y a d'autres coloris. Il y a aussi un rose un peu flashy. Et puis aussi, n'oubliez pas, hein, vous avez la boîte qui est disponible, mais si vous avez besoin d'emballage, que ce soit les pochettes d'envoi, les magnifiques rubans personnalisés, parce que mine de rien, ça fait la diff sur une boîte. On peut les avoir un petit peu plus gros, 2,5 cm. On peut les avoir non personnalisés. Ou si vous avez même besoin des petits froufrous pour protéger l'intérieur des colis ou des colis, eh ben n'hésitez pas, je vous donnerai un petit peu plus d'informations. Hein. Voilà, j'en profite pour vous donner un maximum d'infos. Ça, vous pouvez aussi... Bah, après, c'est vous qui le pliez comme vous souhaitez. Si vous souhaitez qu'on voit le nom au dos pour la boîte, ça peut faire aussi super joli. Voilà. Alors, voilà pour vous montrer. Donc, ça, moi, j'ai mis du L. Donc, je fais 1m80 pour 80 kg, on va dire. Ouais, 80 kg pour vous donner un ordre d'idée. C'est du L. Donc, ça me va bien. Peut-être que du XL, ça aurait été aussi top. Bah, en tout cas, ça, c'est du L. Donc, vous voyez, il arrive en dessous des genoux. Il est super agréable au toucher. T'as ma baba. Donc, il y a les deux petites poches. Une poche ici,
une poche là. Donc ça, bon, je sais pas s'il faut le fermer à double nœud ou non. Mais voilà, c'est vraiment pour que vous donniez une idée de comment ils sont. Donc franchement, ils taillent bien, on est bien dedans. Donc ça, c'est du L. Peut-être que prenez une taille au-dessus. Ça, après, c'est à vous de à demander à vos clients qu'est-ce qu'ils souhaitent. Est-ce qu'ils souhaitent être vraiment large dedans? Mais là, ça va au niveau des épaules ou quoi que ce soit. Moi, je me sens bien. L, je pense que c'est la bonne taille pour moi. L ou XL, j'aurais pris. Donc ça arrive assez régulièrement qu'en Turquie, les tailles, par exemple un S, ça correspondra à un M européen. Enfin, M européen de chez nous, quoi, en France, quoi. Voilà. Si jamais vous souhaitez avoir un petit peu plus de photos, de renseignements, quoi, n'hésitez pas. Si jamais vous souhaitez avoir plus de renseignements, que je réponde à vos questions, c'est avec grand plaisir. Donc juste en dessous de la vidéo, vous cliquez. Il va y avoir la barre de description, il y aura toutes les infos dessus pour me contacter, pour autre, pas de problème, voilà, ce sera avec grand plaisir. Je pense, Inch'Allah, aller visiter les fabriques à Denizli, parce que, pour voir si on peut faire des modèles sur mesure, et voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir, et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.